Nous venons de recevoir en cadeau de Wargami le MSA 1926, un char léger de collection soviétique de tier 2. Alors, pour l'obtenir, il y avait un code que vous voyez ici, Warthogtown Blitz MSA Love, et tout en haut, il y a la façon de mettre en œuvre ce code. Bon, c'est la copie conforme du MSA que l'on connaît déjà. Donc, il a un bon canon de 45 mm, qui a une pénétration moyenne de 55 mm. Et au niveau du blindage, c'est bien pour un léger, 25 en frontal pour la tourelle et le châssis, 18 sur les flancs et 16 sur l'arrière. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Sa vitesse moyenne, 29 km/h, c'est correct pour un char léger de ce tiers. Bon, sans plus attendre, je vais vous montrer une petite partie sympa avec ce MSA 1926. Et c'est parti pour une bataille en MSA 1926, bataille impromptue, dans le désert. Alors, de quel côté l'équipe va-t-elle partir? C'est la question. Eh bien, plutôt dans le désert, apparemment. Pas du côté de la ville. Bon, on va les suivre. Ouais, tout le monde part dans le désert. C'est bien. Alors, si l'ennemi s'est coupé en deux, ça sera bon. Il y en a déjà trois, là. Ah, j'ai pris un coup là. Ah, il y a des nids sur la base. Il y a un peu de rouge quand même. Ah, voilà, il s'est fait avoir. Bon, 2-0. Et il nous tourne le dos. 3-1. Bon, il y en a un tout seul, là, il faudra le finir. 3-2. Et voilà. Bon, on va partir du côté de la base. 4 contre 4-2 le score. Un petit UE 57 là. Et voilà. Bon, ils n'en ont plus que 2. Plus qu'un. Voilà, je ne mets pas une plomb là. On tombe vers 3, bon char. Et il a tenu. Alors, on a gagné évidemment. Donc, j'ai fait une classe 1. Donc, je n'ai plus d'XP en une bataille que la moyenne des meilleurs joueurs, des meilleurs XP obtenus par 95% des joueurs. Très bien. Bon, les dégâts, c'est pas beaucoup, hein, vu le tiers. Crédit gagné 40 000, XP 6 800. Et je suis le deuxième des combattants.
Alors, 12 coups, tiré, 12 pénétrations, coup reçu, 7, 6 pénétrations. D'accord. Égal 12, presque 20 000, quoi. Presque 20 000 expérience et 40 000 de crédit. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur ce... cette bataille à un petit tiers. Hein, donc le MS1, c'est un bon char. Et c'était histoire de le montrer, vu que c'est un cadeau de Wargaming. Voilà, à bientôt pour d'autres batailles.